c'est la quête. Cœur vaillant. Ravi de te voir, Gérald. Tu aurais une rime en « et ». Je ne suis pas poète. Je sais, mais tu as parfois de bonnes idées. Triompher. Parfait. Tu écris un sonnet à ta nouvelle muse. Encore mieux, je compose un hymne pour Verrienne. Tu veux entendre le début? Non. Voilà. À ceux qui caressent ce rêve, ce doux rêve de liberté, l'heure est venue qu'on se lève. Allons, mes frères, il nous faut chanter. Ensemble, brandissons le glaive. Elfes, nains, humains vont triompher. Alors, tu aimes? Pas mal. Ça rime. Ça va, j'ai compris. Je t'écoute, qu'as-tu découvert? Avant de lui parler du recueil et de lancer la quête, j'ai bien envie de... Mes souvenirs me reviennent. Aborder le reste. Ce ne sont que des bribes pour le moment. Mais les pièces s'assemblent doucement. Que t'es-tu rappelé cette fois? Un voyage interminable vers le sud. J'étais sur la trace de Yennefer, poursuivant la chasse sauvage. Je ne sais pas combien de temps, il faisait froid. Les campagnes étaient peuplées de vieillards. Personne ne voulait me révéler ce qui était arrivé aux jeunes, aux enfants. J'ai cuisiné un vieillard qui m'a appris que des meutes de loups rôdaient. Que les noyeurs et les putréfacteurs abondaient dans les environs. Mais sur la chasse sauvage, rien. Tu as rattrapé le cortège? Je l'ignore. Tu as une piste? J'en cherche. Tu as dit qu'il existe un poème elfique sur la chasse? Je t'ai dit que c'était probable. Il existe des poèmes anciens que je ne connais pas. Jette un œil sur les environs. Peut-être tomberas-tu sur quelque chose. Ces souvenirs, ces sentiments que j'avais, je sens que Yennefer est en vie. Et que je finirai par la retrouver. Mais oui, faut Triss, pas perdre espoir. Yennefer, t'en as de la chance. Premièrement, rien ne prouve que Yennefer est en vie. Deuxièmement, j'ignore ce qui est arrivé à Triss. Juste, en théorie tu as deux femmes, mais en pratique tu te retrouves tout seul. Les femmes comme elles sont des dures à cuire. Dès que j'en aurai fini avec les spectres, je pars à la recherche de Triss. Et pour Yennefer? Je le saurai quand je la verrai. Je trouve qu'Yorveth a changé. On change tous ici. Sauf toi, bien sûr. Je n'aime pas ces changements. Je n'y crois pas. Réfléchis un peu. Saskia a donné une chance à Yorveth. S'il la saisit, il pourra sortir de son terrier. Et ce n'est pas tout. S'il abat ses cartes correctement, tout le monde commencera à le respecter. Les gens ont la mémoire sélective. Tu as raison. Un état libre dans la vallée du Pontard pourrait changer Yorveth le brigand en chevalier. Voilà pourquoi il est inutile de se demander pourquoi il a changé. Je ne lui confierai pas mon bambin, mais qui sait ce qu'il peut encore advenir de lui. En tout cas, l'étau n'est pas de ce côté du brouillard. Si tu voulais attraper l'assassin, tu aurais dû suivre Roche jusqu'au camp d'Enselt. Je suis parti à la recherche de Triss, mais je n'ai pas oublié l'étau. Pourquoi prends-tu cela tellement à cœur? Ce n'est ni ton poulailler ni tes poules. Peut-être, mais bon, c'est quand même un sorceleur. Même s'il est d'une école différente, qui a quand même assassiné deux rois, c'est pas rien quand même. Ça jette un peu l'opprobre sur toute la profession, on va dire. Et du coup, il y a un peu des trois, donc il y a l'aveu l'honneur, le fait que Leto connaisse Gérald, mais que Gérald ne se souvienne pas de ce qu'il y a eu entre eux, et surtout pourquoi il tue, dans quel but, qui est derrière tout ça. Leto est coupable de deux régicides. Je veux connaître ses raisons. Ou ses commanditaires. Surtout, c'est ouais. Si important. Un sorceleur ne se mêle pas des affaires politiques sans bonne raison. Exactement. Je n'aime pas les préceptes qui régissent le monde. Mais nul n'en a encore trouvé de meilleur. Tuer des rois ne résout rien. Bien au contraire. Admettons que tu l'attrapes. Qu'est-ce que tu lui feras? Ben, ça dépend. J'aviserai quand je saurai la vérité. Disons que ça pourra aller de la conciliation à la décapitation. Tu es devenu le porte-parole de la cour et de sa propagande. Ce qui me plaît le plus ici, c'est qu'il n'y a pas de cour. Les gens soutiennent Saskia de leur plein gré, pas parce qu'on les y oblige. Tu as une tendance à l'extrémisme. Et toi, tu as une tendance à pourrir tous les idéaux, même les plus nobles. J'essaie de regarder le monde objectivement. Et pourtant, tu es avec nous. Tu es avec nous.
Je me trompe? À ce moment précis, je suis avec Vergen. Tu ne veux pas t'engager, hein? Vergen n'est pas une catin que tu peux t'envoyer sans considération. Peut-être, mais autant être prudent quand même. Je veux juste m'assurer que cette catin de Vergen ne finira pas par me baiser, moi. Oui, je peux dire ça comme ça aussi. Embrasse-moi la joue droite, embrasse-moi la joue gauche, mais ne me touche pas l'œillet, c'est ça. Dès que je vois cette étincelle romantico-grotesque dans tes yeux, je sais que je vais devoir te sortir à nouveau du pétrin. Je me contrefous de ton aide. Il y en a plein qui ne demandent qu'à me suivre. Des nains, même des elfes. Espérons que tu dis vrai. Allez, j'ai la quête. J'ai trouvé un de tes recueils. Mes poèmes d'amour. Un coq-bert me les avait dérobés. Il voulait sûrement frimer devant une petite bergère. Sans mes poèmes, je me sens comme un chapon dans un bordel. Je ne sais comment te remercier, Gérald. Ah, si. En fait, j'ai une idée. Buvons un peu de vodka, je t'invite. J'ai une meilleure idée. La bière? Peu m'importe, choisis. C'est reparti. J'ai un service à te demander. Tout ce que tu veux, même ma vertu. Si j'en avais une, bien sûr. Ta vertu ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que tu as encore besoin d'un poème pour un spectre de midi. Comme dans Witcher 1. Oh, pitié, Gérald. Ne me mêle pas à tes histoires de monstres. Je suis un artiste, pas... Justement, pourrais-tu distraire la succube? Tu es fou. Tu veux que cette sorcière me suce jusqu'à la mort? De l'autre côté, il faut bien mourir de quelque chose. Attends-moi près du village incendié, à la nuit tombée. Oh, j'aime tellement les dialogues entre les deux, c'est exactement c'est comme dans les livres. Plus impressionnant c'est les parfait. Les il est tellement bien, Jaskier. Bon, retournons au village incendié, gérons cette succube. N'essaie même pas. Chaque fois que je vois, j'entends parler de succubes, je repense à cet épisode de South Park avec Chef qui va se marier et les gars qui essaient de le sauver. J'ai vu Master bouffé par une succube de l'enfer. TF5. Allez, c'est parti. On y va? Il me tarde de rencontrer ce monstre de beauté. Sa beauté en a tué plus d'un. Tu me dis ça maintenant? Comme dit mon ami Jaskier, il faut bien mourir de quelque chose. Je ne te quitterai pas des yeux. Elle non plus. Ne la laisse pas t'embrasser. Et j'ai du mal à résister aux femmes. Mais je ferai de mon mieux. Passons aux choses sérieuses. Par où on commence? Si mon amour, si nos corps. Bon, on a affaire à une succube, on va parler de corps directement. Si nos deux corps pouvaient chanter. Oula. Votre main, mon cœur, demanderait. Puissiez-vous la lui céder? Et en pièces me découper. Peut-être pas, non. Qui es-tu, mignon? Ah si, ah bon? Je suis un poète, gente dame. Je viens louer votre douce beauté si vous me faites l'honneur d'en révéler les secrets. Oh ça. Tu auras tout le loisir de l'admirer, ma douce beauté. Et pas qu'avec les yeux. Tu me sentiras de tout ton être. Sacré programme. Ici commence l'aventure de ta vie, joli poète. Je dois appeler Gérald. D'un autre côté, je n'ai jamais culbuté de succube. Je suis si inassouvie. Je suis ravie quand mes amants louent ma beauté dans des poèmes. Mais c'est la première fois qu'un vrai poète m'en récite. Jaskier, ta curiosité te perdra. Cet abruti est vraiment entré? C'est moi qui l'ai mis dans ce pétrin. À moi de l'en sortir. Il
connaissant Jasquet. Oula. Non, mais non. J'ai pas le temps. Faut arrêter, les gars, j'ai pas le temps. Si ça se trouve, je vais interrompre un moment de romance. Oula. Ah ouais. Je prends juste le temps d'observer par pure curiosité. C'est louche. Je ne me rappelle pas t'avoir invité, Geralt de Rive. Relâche, Jasquier. Joins-toi plutôt à nous. Je ne lui ai pas fait de mal. Au contraire, il est très heureux. Comme les autres que tu as tués? Je n'ai tué personne. Ceux qui sont venus ont connu le plaisir intense. Tu dévores leur énergie comme un porc dévore des glands. Je me nourris de leur énergie, mais je ne les tue pas. Que vas-tu faire de Jasquier? Pour prouver ma bonne foi, je le laisserai partir dès son réveil. C'est pas elle. Si ce n'est pas toi, alors qui les a tués? Je peux séduire n'importe qui. Aucun homme ne résiste à mes charmes. Mais hélas, un pauvre fou s'est épris de moi. Il refuse ma nature et tue le moindre de mes amants. Qui est ce pauvre fou? Un elfe charmant, du nom d'Elias. C'est lui qui m'a demandé d'enquêter sur ses meurtres. Ah bah oui. Il cherche à brouiller les pistes. Heureusement, tu n'es pas dupe. C'est justement pourquoi je crois que c'est toi qui brouilles les pistes. T'a-t-il montré le corps des victimes? Il m'a dit qu'ils étaient enterrés. Par ses soins. Il les a ravagés pour pouvoir mettre tout ça sur le dos d'un monstre. Mais maintenant que tu es là, tu vas pouvoir prendre les choses en main. Pourquoi t'aiderais-je? Je veux qu'on sache que je donne du plaisir aux hommes en échange de leur énergie, pas de leur vie. Et puis je peux te donner bien plus que des orins. Je vais lui parler et je reviens. Allons voir. Espérons que ce soit pour sceller notre amitié. Bon, je sais pas si Jasquier... Oh, je pense qu'il est entre de bonnes mains. C'est louche. J'ai un doute parce que j'ai fait une quête similaire dans Witcher 3. Avec une succube qui était aussi... qui était dans une maison de passe, si je me rappelle bien. À Novigrad. Et pareil, qui était soupçonnée d'avoir tué des hommes qui avaient bénéficié de ses services. Sauf que il s'est avéré qu'elle n'était pas. Elle n'était pas coupable. Donc j'ai toujours ce doute-là, moi, dans un coin de ma tête. Parce que c'est The Witcher et dans The Witcher, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les choses sont souvent bien différentes. J'ai trouvé la succube. Vous l'avez tuée? Elle dit que vous êtes le tueur. Deviez tuer la bête, pas lui faire la conversation. Je connais mon affaire. Si vous l'avez cru, j'en doute fort. Vous saviez que la succube avait trouvé refuge dans le village incendié? Si je vous l'avais dit, vous auriez refusé de m'aider. Et comment? Je n'aide pas les meurtriers. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai tué personne. Menteur, vous vous êtes épris d'elle et avez éliminé la concurrence. Les succubes ne sont pas du genre fidèle. Oui, je l'aime. Mais le reste n'est que foutaise. Si je tuais la succube, plus personne ne devrait mourir. Et vous cesseriez d'être un suspect.
Mais vous ne comprenez pas. Elle m'a manipulé comme elle vous manipule maintenant. Yorveth aura vent de tout cela. Vous serez pendu pour vos crimes. Vous délirez. Je suis innocent. Moi, j'ai bien envie de retourner... Laissez même pas. Examiner les cadavres. Le cadavre, en tout cas, que j'avais trouvé dans la crypte. Alors, retournons à la crypte. Examiner un peu les cadavres, parce que je me rappelle qu'il y avait, des trucs louches. Géralt en avait déduit que c'était une succube, mais les marques qu'il a trouvées sur les corps ne correspondaient pas vraiment, en fait. Je crois que c'est celle qui était au fond, normalement. Et voilà, c'était ce corps-là. Ces cadavres sont encore chauds. Ils sont ici depuis peu. Alors. Les vêtements sont déchiquetés à plusieurs endroits. Faut faire l'examen. Ils portent des traces de soufre. Intéressant. La tête est en meilleur état que le reste du corps. De larges cernes autour des yeux, comme un anémique. Légère morsure dans le cou. Il tient des cheveux longs dans sa main. Donc c'est soit ceux de la succube, soit ceux de l'elfe. L'elfe aussi avait des cheveux longs et sombres. Il a de méchantes coupures aux avant-bras, comme s'il s'était débattu. Il a quelque chose d'encastré dans l'os. Un éclat de métal. Intéressant. Des griffures d'ongles dans le dos. Il se sera bien amusé avant de mourir. Les plaies sont profondes. Quelque chose de féroce s'en est pris à lui. Un jeune homme, comme les autres victimes. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une succube. Un fragment de métal dans la blessure de l'autre côté. Ouais, donc je ne pense pas que ce soit je pense pas que ce soit la succube, honnêtement. Juste à refaire. J'en profite pour vérifier un peu, puisque la dernière fois j'ai fait un peu vite et du coup j'ai pas fouillé. Note d'enquêteur sur la chasse sauvage. Collier primitif. Parfait. Parfait. Bon. Alors, je pense honnêtement que la succube n'y est pour rien. Je pense que c'est le gars. Parce que là, on a trouvé des bouts de métal.
Donc ça peut être que... Enfin, tout laisse à croire que le gars s'en serait pris aux victimes à coup d'épée ou de trucs. Je crois que c'est pas mal pour rentrer. Ouais. Du coup, moi j'aurais tendance à penser que la succube est innocente et que ce serait plutôt le... Que ce serait plutôt l'elfe. On va voir. Je regrette vraiment que ça ne soit pas comme dans Witcher 3 pour les déplacements, qu'on n'ait pas Ablette ou alors les poteaux de déplacement rapide. Ça nous ferait gagner quand même un temps précieux. Je crois qu'il est là, Yorvet. Salutations. Salutations. Voilà. Elias, ton Skoyatel. Il tue le peuple de Vergen. As-tu les preuves? Elias est l'un de mes meilleurs guerriers. J'ai trouvé un éclat de lame sur l'un des corps. Compare-le aux armes d'Elias. Je m'en occupe. Déjà? Elias a dû apprendre que j'avais eu vent de sa folie. Il a fui la ville. Ok. Pourquoi elle est en bleu? Salut! Va chier. Ah oui, ok. Ça a le mérite d'être clair. Ok, du coup, il faut que je retourne. Personne ne veut de vous ici. Pas très sympa. Et par là, ça mène où? Ouais, j'ai l'impression que c'est la même chose. Du coup, go retourner voir la succube et voir surtout Jaskier. J'essaie de gagner du temps. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour gagner du temps. Déplacer plus rapidement les roulades à la Dark Souls. Sans être battu. Qui? Ah, punaise. Bon bah ok. Allez. Je vais faire le fou. Drôle de position. Pourquoi j'ai des points rouges ici? Ok, elle a disparu. Du coup, si on avait quand même des doutes, là ça prouve quand même sa culpabilité. Ils ont peut-être pas fini, j'ai pas envie d'interrompre un moment romantique. Ravi que tu aies abrégé les souffrances de cet idiot. Tu seras savoureusement récompensé. Retire tes vêtements et détends-toi. C'est très aimable, mais ça va aller. Je suis pas vraiment zoophile. C'est tentant, mais sans façon, merci. Je prendrai juste la récompense. Quel gâchis. Mais il en sera comme tu voudras. Je t'ai laissé un présent dans la boîte près du lit. Un petit souvenir. Au revoir, sorceleur. Ouais, les pattes de bouc, c'était juste pas possible quand même. Aurin, armure de Thyssen. Bien. Allez, trop chargé. Ah, elle a quand même l'air un poil mieux que mon armure actuelle. Freux, potion, ok.
Note d'enquêteur sur la chasse sauvage. Ah oui, c'est ce que j'ai trouvé dans la crypte. Une force étrange et inconnue se cache derrière la chasse. Un esprit malade, mais un esprit tout de même. Cavaliers sont les émissaires de quelqu'un ou quelque chose, et que leurs faits sont régis par un plan. Eh bien oui, c'est Redin, le chef de la chasse sauvage, qui est derrière tout ça. Du coup, faut que je me débarrasse de quelque chose. Ok. Du coup, cette quête-là, elle est faite. Du coup, je pense que je peux aller voir... Poker 2D. Ouais, ça, c'est pas très... C'est pas une quête essentielle, ça me gêne pas si je la... Si je la complète pas. Par contre, ouais, donner le ruban à Triss et du coup on va pouvoir avancer un peu dans l'histoire. C'est vrai que là on stagnait un peu quand même. Pourquoi hésiter ? Et en fait, n'est pas n'importe qui. Vous voulez discuter ? Votre amie Sheila est de connivence avec Henselt. Je le sais, sorceleur, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sheila s'assure simplement qu'Henselt ne subira pas le même sort que Foltest. Nous ne voulons pas qu'il règne sur la vallée du Pontard. Et nous n'avons rien à gagner pour autant d'une guerre civile en Kedwen. Il existe des preuves que la chasse sauvage est une force puissante qui devrait éveiller l'intérêt des magiciens. Pour un simple mortel, tout ce qui est incompréhensible ne peut qu'être louche. Donc, il y a complot. Et s'il y a complot, c'est bien connu. Ça ne peut qu'être l'œuvre des magiciens. Je ne suis pas un simple mortel. J'ai trouvé les notes d'un analyste qui a consacré toute sa vie à... Mon... apprenti, Cynthia, s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Discutez-en avec elle. J'ai trouvé un rêve qui irradie une magie puissante. C'est le rêve d'un dragon, je crois. Excellent. Cela devrait convenir. Revenez quand vous aurez le reste des ingrédients. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Cynthia. Je suis adepte de magie. Philippa est mon mentor. Mes condoléances. Inutile. Elle est exigeante, mais elle sait se montrer charmante. En plus, elle est la meilleure qui soit, sorceleur. Elle n'a pas d'égal, les magiciennes elfes mises à part, peut-être. Vous auriez dû la voir lancer ses sorts, légères et gracieuses. Pas comme cette truie de Tankerville. Ah ouais, ça clash. Vous connaissez Sheila ? Je l'ai vue lancer des sorts. J'ai vu toutes les grandes magiciennes à l'œuvre. Sheila est masculine. Elle est précise, logique, de bonne constitution, mais elle manque de souplesse et de grâce. C'est votre opinion ou vous répétez les dires de Philippa ? Nous nous accordons sur ce point. Triss Merigold est douée, mais elle manque de détermination, de sang-froid et de courage. Très intéressant. Keira Metz et Margarita Luanti sont lasses et résignées. L'une est hédoniste et nymphomane, l'autre ne se préoccupe que de son école. Elles ont perdu leur passion pour la magie depuis longtemps. Et il y a Francesca Findaber. Personne ne sait vraiment de quoi elle est capable, mais elle est très puissante. J'en déduis que Philippa n'a aucun de ses défauts. Mais elle a tout de même des faiblesses. Son ambition. Illimitée, implacable et dévorante, comme le désert de Korat. Elle a une voix vraiment pas agréable. À propos, combien coûte un cours de magie ? Trop cher pour vous, sorceleur. En plus, vous êtes trop vieux. Mais je connais quelques tours. Les signes de sorceleur ? Philippa peut créer un jardin tapissé de fleurs, de fruits et de jeunes elfes copulant gaiement toute une journée durant. Elle peut vous faire sentir les fleurs et goûter aux fruits ou aux elfes. Invitez-moi la prochaine fois qu'elle crée son jardin. J'aimerais bien voir ça. Par pure curiosité professionnelle, bien entendu.
Bien sûr, mais pour l'heure, elle aide Saskia, donc je pense qu'elle a d'autres chats à fouetter que d'invoquer des illusions. Vraiment une voix horripilante. Je cherche des informations sur la chasse sauvage. Ce phénomène m'intrigue aussi, comme tout mystère d'ailleurs. Partagerez-vous votre savoir ? L'idéal serait que vous trouviez les notes de Morten Collis. Il a consacré sa vie à l'étude de la chasse. Nous pourrons alors en discuter plus en détail. J'ai trouvé les notes de Morten Collis. Dans ce cas, nous pouvons échanger notre savoir à ce sujet. Il existe malheureusement bien plus de mythes et de légendes que de faits avérés. C'est bien vrai. Par quoi commençons-nous ? Faisons dans l'ordre. Collis avait, avant tout, étudié la trajectoire des déplacements de la chasse. Nous savons que la chasse sauvage se déplace du nord au sud, jamais dans le sens inverse. Ceci correspond à mes souvenirs et aux résultats des recherches de Collis. Mais pourquoi la chasse prend-elle cette direction, justement ? D'après leur trajectoire, nous pouvons déduire que les cavaliers pénètrent dans notre monde depuis le pôle nord. À partir de là, ils ne peuvent qu'aller vers le sud. D'après les notes, on peut déterminer la venue de la chasse grâce à l'observation de la nébuleuse d'Orkan. Les éclipses influent sur la fréquence des manifestations de la chasse. Elles se manifestent lors du solstice d'hiver, mais pas chaque année. Collis a calculé que la chasse pénétrait dans notre monde les années où la nébuleuse se trouvait à l'est du firmament. Lorsque je la poursuivais, j'ai croisé de nombreux villages désertés. La chasse sauvage capture les jeunes gens. Pourquoi faire ? Peut-être ont-ils besoin de main-d'œuvre, de guerriers ou de viande. Collis semble pencher pour l'hypothèse de l'esclavage. On dit que le passage de la chasse est un présage de guerre. De nos jours, les guerres éclatent si souvent qu'ils pourraient aussi bien présager l'arrivée des cigognes. La chasse apparaît en hiver et les guerres débutent au printemps pour éviter aux soldats de mourir de froid plutôt qu'au combat. Et quel est l'avis des magiciennes ? C'est délicat. Depuis le jour où le Conseil et le Conclave ont interdit la pratique des sorts psychiques, la chasse sauvage est devenue un sujet tabou. Y a-t-il un lien entre les sorts psychiques et le cortège ? Tous deux altèrent l'esprit. Quiconque a eu affaire à la chasse sauvage souffre de troubles psychiques tels que l'amnésie ou la folie. Les fantômes émettent un champ magnétique qui altère le fonctionnement du cerveau. Ah bon ? Essayons de résumer. Étonnant. D'après ses observations et le calcul des trajectoires du cortège, il a élaboré deux hypothèses. La première est que la chasse se compose de chevaliers morts dans différents mondes et ayant formé un escadron de vengeance. La deuxième avance l'idée d'une puissante force inconnue qui multiplierait les fantômes dont la tâche serait de parcourir les mondes en quête d'esclaves. Les deux théories semblent crédibles. Si le contact avec la chasse et son champ magnétique provoquent une altération de l'esprit, alors une nouvelle confrontation devrait avoir un résultat inverse. C'est vrai. En théorie, toute personne qui a perdu l'esprit ou la mémoire après avoir été confrontée à la chasse sauvage devrait pouvoir guérir si elle l'a rencontrée à nouveau. Toutefois, toute personne qui a réussi à lui échapper préférera sans doute mourir plutôt que de l'affronter une deuxième fois. Ainsi, la chasse sauvage peut ôter la mémoire, mais aussi la rendre. Vous savez quelque chose que j'ignore, n'est-ce pas ? Je souffre d'amnésie. Mais depuis quelque temps, des souvenirs me reviennent. Savez-vous quand cela a commencé ? Oui. Après avoir tué le fantôme du roi de la chasse sauvage. La bannière brune... Ça fait partie des objets que je dois récupérer. Vous voulez discuter ? Le ruban. J'ai le ruban de Triss. Et on va avancer. Vous avez appris quelque chose ? Triss était là. L'étau l'a forcé à se téléporter. Pourquoi donc ? Il y a plus simple pour voyager. Deux compagnons de l'étau, sûrement responsables de la mort de Demavend, se cachaient parmi les Scoia'tael. Quand il est devenu évident à Flotsam que le tueur de roi voulait se débarrasser de Yorveth, le chef Scoia'tael a donné l'ordre de les éliminer. L'étau devait rejoindre l'unité avant l'arrivée des messagers elfes. Et le seul moyen d'y parvenir, c'était la téléportation.
J'imagine que Triss voulait me rejoindre, mais elle s'est ratée et a atterri dans les gorges. Que s'est-il passé ensuite? Leto l'y a laissé, blessé. Il devait penser qu'elle ferait varier le régime alimentaire du troll. Il est allé de lui-même chez les elfes pour massacrer l'unité avec ses compagnons. Ils sont quelque part, de l'autre côté de la brume. Et pour Triss? Elle a fui le troll. Elle est quelque part dans la région, je pense. En tout cas, elle n'est pas à Vergen. Elle est bien quelque part. Localisez-la. Je vais essayer, mais ça risque d'être long. Vous savez autre chose? Sheila veut faire tuer Triss et Leto. Je n'y crois pas. Et pourtant, j'ai croisé des mercenaires engagés pour tuer Leto et quiconque l'accompagne. Elle devait penser aux autres tueurs. Vous êtes sûr qu'elle savait que Triss était avec lui? Et vous? Vous êtes sûr de Sheila? Il y avait quelque chose entre elle et Triss. Un malentendu. Possible. Trouvons Triss, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. J'ai besoin de temps. Que se passe-t-il? Allons jeter un coup d'œil. Que se passe-t-il? Les paysans veulent empaler le fils du roi des Mavent. Pourquoi? Un domestique raconte que c'est Stennis qui aurait empoisonné Saskia. Les roturiers s'agitent. Ils veulent rendre justice. Où est le prince? Il s'est barricadé dans sa chambre, gardé par des nobles. Les paysans demeurent respectueux, mais cela ne saurait durer. L'affrontement est imminent. Aidez-nous, la situation est critique. Je vais avertir les autres nobles. J'ignore si le prince Stennis est coupable, mais je ne serais pas surpris s'il était impliqué. C'est un peu un bâtard quand même. Le pouvoir. Cet obscur objet de désir. Allons-y, avant que ce désir obscur ne finisse par blesser quelqu'un. Allez-y, je vais tâcher de localiser Triss. Et quoi qu'il arrive à Stennis, souvenez-vous, il nous faut son sang. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que c'est? Empêcher les paysans de lyncher le prince. Ok. N'importe quoi. Elle s'est juste évanouie. Le loup blanc va la sauver. Mais on m'a dit... Ferme-la, tu veux? Tu sais rien du tout. Étrange. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les roturiers disent que c'est l'œuvre de notre prince. Ce n'est pas à eux de juger. Enselt est derrière tout cela. Il veut nous monter les uns contre les autres. Ces seigneurs ne seront jamais du même côté. Les humains ne pensent qu'à péter plus haut que leur statue. Ils ont... Geralt! Ravi de te revoir. Les roturiers disent que Stennis est responsable de l'empoisonnement de Saskia. Ils veulent le tuer. Qu'est-ce qui les en empêche? Les chevaliers. Des seigneurs édirniens. Pas facile de s'en prendre à un sang bleu. Un paysan nommé Kalten était au conseil. Il m'a semblé n'avoir de respect pour rien ni personne. Kalten est une canaille. Il ferait n'importe quoi pour aller piller. Et particulièrement les nobles. L'or dont il les soulage, on dit qu'il l'enterre dans un ravin. Cette fois, on dirait que ça va mal finir. Écoutez-moi! Qu'est-ce qu'il veut? Je suis Skellen Burden. Je maintiens l'ordre à Vergen. Ah bah bravo! Vous étiez où quand ils ont empoisonné Saskia? Remettez-nous le prince! Compagnons! Sortez vos fléaux! Arrêtez! Yorvet! Les écureuils! Si vous voulez repartir d'ici en un seul morceau, gardez vos mains loin de vos armes. Que vous soyez serf ou seigneur, je vous tuerai tous s'il le faut. Que se passe-t-il? Le serveur de vin pendant le festin dit qu'Olkan et le prince ont empoisonné Saskia. Nous voulons que justice soit faite. Vous voulez que vengeance soit faite. Nuance. Peu importe. Saskia tombe raide morte pendant que cet empoisonneur et ses seigneurs nous envoient au combat et nous vendent à Enselt. On se laissera pas faire. Tu mens, Kalten. Personne ne vend qui que ce soit. Et le coupable répondra de ses actes devant la justice. Votre justice? Il va payer une amende et se prendre une petite fessée, c'est ça? Nos haches vont plutôt s'en charger. Où est ce domestique? En lieu sûr, gardé par les Skoyatel. Pourquoi il se cache le prince s'il est innocent? Assez! Je tue le premier qui touche à son arme.
Ensuite, je vous décapite l'un après l'autre. On est nombreux, vous pourrez pas. Comment ça s'échauffe? Eh bien, je commencerai par toi. Maintenant, reculez. Nous devons agir vite. Nous? La foule est comme une forêt de pain sec. Une seule étincelle, et l'incendie sera irrésistible. Je ne suis ni un soldat de la paix, ni un juge. Nous sommes tous les deux concernés, que tu le veuilles ou non. Pourquoi t'impliques-tu autant? Pour elle, Gwynplaine. Certainement pas pour ces gueux. Qu'as-tu en tête? Je vais leur faire peur. En tuer un ou deux s'il le faut. Mais sois rapide. Je ne vais pas les retenir très longtemps. Interroge les paysans et les nobles. Parle aux nains. Tu arriveras peut-être à rencontrer Stennis. S'il est coupable, il aura inventé une bien belle histoire. Tâche de séparer l'ivraie du bon grain. Et trouve le domestique qui a lancé cette rumeur. Mais tu n'auras pas le temps de parler à tout le monde, c'est certain. Retourne à ton fumier, toi! Tu changeras de ton comme un fossile de chatouille à la gorge! Venez donc ici, sorceleur à l'agonie, Encelte aux portes de la ville, des spectres pleins le brouillard, et nobles roturiers qui se tapent dessus. Venez donc ici, sorceleur. C'est lui. Que voulez-vous? Nous, les nobles, avons toujours dû protéger le peuple de sa propre stupidité. Oui, on s'en fout. Je n'ai pas le temps d'écouter votre éloge de la noblesse. Savez-vous quelque chose sur l'empoisonnement de Saskia? Non, mais peu importe la vérité. Bon, tu sers à rien, le quoi. Peuple... Alors vous vous fichez de la vérité? Ok. Je n'ai pas dit cela, mais le monde est régi par... Un ordre qui cautionne l'injustice. Si le prince s'avère impliqué dans cette tentative d'assassinat, le tribunal statuera sur son sort. Oui, donc t'as pas d'info. Peut-être qu'il comprenne. Saskia est une femme sage. Qui sèmera le grain? Saskia a appelé les... Vous avez peut-être... Donnez regagné le pouvoir qu'elle lui avait volé. Retourne à ton fumier, toi. Et puis... Les pages dans son genre, ça aime comploter. Mais faut-il garde que tes menaces pour la truie qui te sert de femme. Certes, monsieur le poète. Il est encore là, lui. Il est aussi tenace que l'odeur d'un nain. Ces sorceleurs courent après l'or. On parie combien qu'il défend le prince juste pour avoir une petite récompense? Il ferait mieux de trouver le domestique qui a servi la Vierge au lieu de traînasser. Quand on en aura fini avec le prince, il a intérêt à s'occuper des notables. Il y en a marre de les voir se pavaner. Vous connaissez le domestique de Saskia? Marcel, il est en charge du vin, mais il aime Saskia autant que sa mère et sa sœur réunies. Il se ferait écarteler pour elle. Il est où, votre Marcel? Il est dans sa cabane. Il craint les seigneurs. Les écureuils le gardent. Ok. Le prince était juste à côté de Saskia pendant le conseil. La carafe de vin était-elle à sa portée? J'en sais rien, moi. Pourquoi cette moue, alors? Le prince est riche. Payer une boniche pour empoisonner le vin n'est rien pour lui. Qui s'arracherait des dents saines pour avoir des dents en or? Adieu. Ok. Donnez-nous, fils de garce! Retourne à ton fumier, c'est bien, toi. Quelqu'un s'en charge. De quel côté est le sorceleur? Il s'entend plutôt bien avec ce satané elfe. Ses intentions peuvent être bonnes. Après tout, il a défendu le prince. Quelqu'un aurait lancé un sort, et la Vierge se retrouverait dans leur entrée. Je vous cherchais. Je ne vous connais pas. Vous avez causé un sacré grabuge. Vous avez peur? Non, du tout. Menteur. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Je ne sais rien et je n'ai rien vu. Dites-moi tout ce que vous savez sur l'empoisonnement de Saskia. Allez, c'est l'heure de causer maintenant. J'ai entendu le prêtre parler au prince. Ce prétendu modèle de vertu disait que la Vierge était un monstre déguisé en fille. Quel prêtre? Olcan, celui qui est mort. Donc on ne saura jamais si c'est vrai. Je le jure sur la tombe de ma mère, je dis vrai. Qu'avez-vous entendu parler? Je rangeais la chambre de Saskia quand le prêtre est entré dans celle du prince à côté. Il ne parlait pas fort, mais le prêtre a dit « Dites au domestique de quitter la cuisine !» Rien de plus. Il n'y a que le prêtre Olcan qui aurait pu tout vous expliquer. Les morts ne sont pas très bavards. Mais peut-être ce qu'il a laissé. Les traces ou autres. Peut-être. Qu'est-ce que je dois faire? Possible. Les magiciens sont un fléau de la pire espèce. Qu'ils soient tous pendus par les burnes, tiens. «
Ils narguent leur propre prince. Okay. J'espère que Skalen va... J'ai besoin de savoir où habitait le prêtre Olkan. Le plus simple est que je vous l'indique sur votre carte. C'est plus ou moins ici. Okay. Adieu. Comment va la vie? À votre avis, mon père, les dieux sont-ils avec Saskia comme elle le prétend? Les dieux s'opposent à toute forme de renversement de l'ordre naturel. C'est juste que vous ne voulez pas d'une femme à la tête d'une armée, encore moins avec des magiciens. Drôle d'aura. Rien d'intéressant. Sans ce satané Yorvet, les serfs seraient déjà en train d'empaler le prince. Il n'est pas fiable. Ces seigneurs ne seront jamais du même côté. Les humains ne pensent qu'à péter plus haut que leur statut. Je démolis le portrait à quiconque essaie de me défier. Commence à se battre, nous allons nous retrouver seuls. Je peux vous parler? Ouais, je suis Ogden, le métallurgiste. Je fais... Rien, merci. La vaisselle dans la salle du conseil, c'est vous? Ouais, du temps du maire Farragut. Depuis, les coupes sont tombées maintes et maintes fois, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce qu'elles sont en acier. Mes coupes sont indestructibles, résistantes à la fureur des souverains comme à la maladresse des domestiques. Celle de Saskia était nouvelle. La vaisselle, c'est une chose, la coupe de Saskia, c'en est une autre. Du temps du maire Farragut, le père Olkan ne connaissait même pas la mère de Saskia. Qui était votre commanditaire ? Cette coupe était un présent, une manière pour les citoyens de Vergen de rendre hommage à Saskia. C'est moi qui ai eu l'honneur de la forger et de la présenter à notre charmante meneuse. La coupe a tellement plu à la damoiselle qu'elle n'en utilise plus d'autres depuis. La coupe devait avoir quelque chose de particulier. Et comment ? C'était un présent. Je l'ai gravé de partout, y compris à l'intérieur. Ce qui, il faut dire... n'est guère pratique pour le nettoyage. Mais tout ça, ça toujours des saloperies incrustées dans les coins. Les autres coupes n'avaient pas de décoration à l'intérieur? Et puis quoi encore? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux coupes identiques? Il n'y a pas de meilleur artisan que moi, dans tout Vergen. Peut-être que quelqu'un a copié votre travail. J'en connais bien un qui tente de forger depuis des années, mais c'est un bon à rien. Chacune de ces coupes semble avoir été faite par un elfe bourré. Il n'y en a pas une de convenable. Il s'appelle Thorak. On se voit à l'auberge. On videra une chope. Ça suffit maintenant! Soyez raisonnable. Asseyez-vous et discutez calmement. On a assez parlé. Allons, camarades. Sortons le prince de sa tanière. Vergen est une ville pas un tas de fumier. Il y a des lois et Skalen Burden est là pour les faire respecter. Aucune loi n'autorise les serfs à menacer l'héritier du roi. C'est Silgard qui le dit, frère de Seldkirk, le plus grand chevalier qui ait jamais foulé Edirne. Peu importe qui est né dans un château et qui est né dans une porcherie, n'importe quel idiot peut en condamner un autre. Il est plus facile d'accuser que de prouver. Un domestique prétend que le prince Ténis a essayé de tuer Saskia. Pourquoi le prince ferait-il une chose aussi vile? Il descend d'une lignée prestigieuse. Justement! Ce corneau convoite la couronne! Rappelez-vous le courage dont il a fait preuve pour Saskia lors des négociations avec Enzelt. Il a bien fait semblant d'être de son côté, le fourbe, jusqu'à accueillir des paysans. Mais on est plus futé que vous le pensez! Vous voyez bien que les roturiers haïssent le prince. Ces sales vipères. Ils ont monté un complot pour se débarrasser de lui. Le domestique de Saskia a dit... Il est où, ce domestique? S'il a quelque chose à dire, pourquoi se cache-t-il comme un voleur? C'est simple. C'est un imposteur. Il protège ses fesses de votre bande de pourris, grâce aux écureuils. Dernière question.
Comment le prince aurait-il pu empoisonner Saskia? Les domestiques goûtent toujours le vin dans le tonneau avant qu'il ne soit servi. Pas besoin d'empoisonner le vin. Glisser du poison dans sa coupe aurait suffi. Empoisonner une coupe? C'est ridicule. Vous êtes bien naïf. L'un des ancêtres de l'empereur est mort en goûtant de l'agneau. Il avait tellement peur d'être empoisonné qu'il dînait avec son cuisinier. L'assassin a enduit de poison un côté de la lame de son couteau, de sorte que son morceau de viande seul fut empoisonné. Le sorceleur a raison! On veut Stennis! Saskia avait sa propre coupe. C'est un nain qui l'avait commandé. Il avait même fourni un croquis très détaillé. Et comment est-elle arrivée jusqu'à Saskia? Bien vu. Rien ne prouve que le prince a empoisonné le vin. Stennis change d'avis comme de liquette! C'est bien connu! Tu es censé prouver sa culpabilité, Pecno. Pas l'insulter. Si c'est pas le prince, alors qui d'autre? Un paysan? Jamais on ne ferait de mal à Saskia. Grâce à elle, vous nous écoutez enfin, bande de chiens. Un porc ne s'égorge pas lui-même. Aucun paysan n'est assez stupide pour s'en prendre à son sauveur. Ce n'est peut-être pas l'œuvre d'un paysan. Mais cela ne veut pas dire que le prince est coupable, triple buse. La chambre de Stennis ne jouxte-t-elle pas celle de Saskia? Les vins ne viennent-ils pas de sa cave pleine de poux? Ne peut-il pas accéder à la cuisine de la Vierge? Si! Sa sérénissime gourdasse, le prince le peut! Maudit soit son sang! Personne à Vergen ne veut tuer Saskia. Et même si c'était le cas, Stennis est le seul à le pouvoir. Vous faites erreur, Kalten. Le père Olkan voulait se débarrasser de Saskia. Il pensait que c'était un monstre. Stennis tenait Olkan en laisse, comme un toutou. Comment oses-tu, Vaurien? Un homme s'assoit à côté d'une femme mariée, et tu te dis tout de suite qu'il la tringle? Le prêtre a tenté de convaincre le prince de rejoindre la conspiration. Stennis est-il à ce point crétin pour écouter tout ce que lui dit un foutu prêtre? Olkan a eu ce qu'il méritait. C'est au tour de Stennis qu'on lui coupe la tête! Rien ne prouve que le prince ait accepté! Le prêtre lui a demandé d'obtenir l'accès à la cuisine. Alors il n'a pas empoisonné la Vierge lui-même, mais il a laissé faire. Ce ne sont que des suppositions. Ah, faut pas s'exciter, vous là. N'avez pas la moindre preuve de sa culpabilité. Pas assez de temps pour mener l'enquête. Votre Altesse, c'est dangereux. Je ne crains rien. La peur est l'apanage des roturiers. Elle est impropre à un prince. Que voulez-vous, me juger? Comme on juge un vulgaire voyou qui vole des œufs sur le marché? C'est à un prince que vous parlez. Et vous osez vous rebeller contre lui. Il y a des crimes que l'on peut pardonner. Et d'autres qui sont tout bonnement impardonnables. Comme on ne peut pardonner à une mère qui tue son propre enfant, ou à un homme son propre frère. De même, tout crime commis envers un élu des dieux ne saurait être pardonné. Celui qui s'élève contre la volonté divine n'est pas digne de fouler cette terre. Et celui qui empoisonne la Vierge des Dirnes alors? Premièrement, Saskia est en vie. Personne ne peut m'imputer sa mort. Deuxièmement, rien ne prouve que c'est moi qui ai tenté de la tuer. Enfin, je jure devant vous ici rassemblés que je n'outrepasserai pas la justice. Seule la Vierge des Dirnes peut me juger. Malin! Et si Saskia ne guérit pas, qui va vous juger? Je crois en sa guérison. Mais si les dieux en décident autrement, nous convoquerons un conseil des sages qui décidera de la sentence. Voilà des paroles dignes d'un souverain. Remettez-vous-en à moi. Que mes actes puissent être la flamme qui vous éclaire et vous guide. Non, je vais pas énoncer une sentence comme ça, c'est pas mon rôle, et puis on n'a pas assez d'infos. Le prince a droit à un procès équitable, qu'il soit coupable ou non. On ne peut pas lui refuser cela. Que feront les paysans si nous leur remettons le prince? Ils l'écouteront? Non. Ils le pendront à l'arbre le plus proche, ou ils le dépeceront. Et si nous autorisons un tel lynchage? Si les gens se disent que la violence résout les problèmes? Qui nous dit qu'ils ne voudront pas en résoudre d'autres, réels comme imaginaires? Qui protégera ceux dont la seule faute est de naître de sang noble? Où cela nous mènera-t-il? Quel orateur, ce Geralt. Les paysans sont furieux. Ils n'ont pas osé attaquer ouvertement. Mais ils n'ont pas oublié. Ils n'oublieront pas Stennis. Au moins jusqu'à ce que Saskia reprenne conscience. Elle ne maintiendra pas l'ordre par la force. À moins d'une force exceptionnelle.
Il nous faudrait un meneur et du sang royal. Des litres s'en répandent en ce moment dans le cachot des nains. Il y a aussi Enselt. Traverser ce brouillard hanté serait de la folie. Autant enlever Stennis. Non, des émeutes éclateraient aussitôt, c'est sûr. J'en ai assez de ces querelles de nobles et de paysans. Saskia est la meilleure meneuse que je connaisse. Mais elle ne battra pas l'armée d'Enselt avec ses gueux. Je vais chercher des renforts. Où ? 4 unités de Skoyatel attendent à l'est. Il est temps de les appeler. Tu y arriveras à temps ? Il le faut. J'ai rêvé qu'on était tous à la mine, comme au bon vieux temps. Allons voir Philippe. Bonjour, tout va bien ? J'ai tenté de localiser Triss, mais le brouillard perturbe le mégascope. J'ai un signal faible près d'ici, sûrement de l'autre côté. Au camp de Kedwen ? Vous devrez traverser le brouillard. Le brouillard est plein de spectres. Je vais vous aider. Je vais continuer de balayer le champ de bataille et je vous guiderai. Je vous trouverai dans le brouillard. Bien. Au revoir. Il nous faut encore le sang royal. Je sais, Enselt. Nous voulons son sang, pas sa mort. Je vous le redis, je ne suis pas un tueur de rois. Ah ben, c'est bien, on parle pas de ce qui s'est passé. Tout va bien. Non, même pas. Très gênant, du coup. Ah mais oui. Ça, je l'avais pas. Il faut que je le termine. C'était une quête que j'avais faite, c'était la quête Le Cauchemar de Baltimore, donc sur un armurier ou un forgeron qui a été, qui avait été en fait assassiné par l'autre, par un de ses apprentis, je crois. Et il semblerait que j'ai pas tout à fait terminé cette quête. Alors là, c'était ici, c'était la maison de... Comment il s'appelle ? J'ai pas retenu son nom. Baltimore. Oh, accusé de réception d'Olcan. Comme quoi, ça vaut le coup de fouiner. L'objet commandé conforme, je joins le paiement par seul contenu. Parfait.